Bon, là, ça va faire. Le coup des tropiques dans la maison Walker, ton frère me l'a déjà fait. Mais toi, par exemple, tu vas me la dire, la vérité. Tu vas arrêter de m'écorcher les oreilles avec un ramassis d'histoires impossibles. Mais je me tue à la dire, la vérité. Ça fait même 42 fois que je la répète. Vous êtes dur de comprendre. Ça rentre pas là-dedans. Hey, l'artiste, reste poli. Je suis pas ici pour rire, moi. Tu le sais, cette fois-ci, c'est grave. Bernard Picard a disparu. On le retrouve plus. Pas la moindre trace. Mais c'est pas ma faute. J'ai rien fait de mal. Puis nous, on ne veut pas de mal. Seulement que tu nous dises où est passé Bernard Picard. Juste savoir la vraie vérité. Collabore un peu. Hein? On se connaît depuis longtemps, toi pis moi. Mais là, j'aimerais juste ça comprendre pourquoi toi pis ton frère, à chaque année, vous vous retrouvez en dedans, hein? Pis Picard, qu'est-ce que vous avez fait avec? Rien. Je l'ai déjà dit. Tout ça, c'est à cause de l'anniversaire de mon frère Olivier. Tu fais tes mauvais coups pour fêter la fête de ton frère. Mais non! Seulement que le jour de son anniversaire, ces choses-là arrivent. On a beau faire attention, on se fait toujours prendre. Bon, on recommence à zéro. Tu vas, une fois de plus, nous raconter toute ton histoire, du début à la fin. À la moindre contradiction, moi, je te coince, puis je t'avertis. Tu vas recommencer le nombre de fois nécessaire pour que ça arrive. Si vous voulez. C'est pas moi qui ai l'ennui, cette histoire-là, c'est vous. Bon, tout a commencé la veille de l'anniversaire de mon frère Olivier. Je ne crois pas qu'il soit bon de prendre parti de manière aussi ostentatoire. Mais calmez-vous, je vous en prie. Espèce de troglodyte. Française, toi? Ça veut-tu dire que t'as cassé avec Hélène? Hein? Bah, je sais pas. Déclaré nul, on va la reprendre l'an prochain. Ouais, c'est moi qui parle.
excusez, chef. Pour cause de désordre général et potentiel, et conformément au règlement de la Ligue, la partie est annulée jusqu'à l'année prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. Avez-vous compris? On évacue les lieux, là! C'est vrai! La prochaine fois, je te raterai pas, moi. J'ai hâte de voir ça, Picard. Pourquoi t'as compté? On t'avait dit de tirer à côté. J'ai pas fait exprès. Je visais haut pour sortir la rondelle du jeu. J'ai pas eu de chance, elle a frappé leur bord de la vitre. En tout cas, faut plus jamais les faire enrager comme ça. C'est des fous, des vrais tarés. On sait pas ce qu'ils peuvent faire. La prochaine fois, là, on s'arrange pour perdre, OK? Puis toi, pourquoi tu me fais une passe? J'ai failli me faire tuer. C'est vrai qu'en fait, pense-suicide, c'était pas mal réussi. Bravo, Olivier, t'as été génial. Vous les avez écrasés à plate couture. Ben, vous aussi, les mecs, vous étiez pas mal. Ben quoi? Pourquoi vous faites la gueule? Le match a été interrompu, mais c'est comme si vous aviez gagné. C'est pas ça, le problème. Depuis que le hockey existe, on est bas, ceux-là. Mais il y a la manière de le faire. Cette année, on a été trop forts. Une cote de Sainte-Lucie. Ta gueule, Picard! T'es aussi sans dessin que les autres! Fait que viens pour faire ton smat! Puis tu ferais mieux de t'entraîner comme il faut si tu veux faire l'équipe l'année prochaine! Maudit têteux! Les deux pieds dans la même bottine! Les deux yeux dans le même trou! Les mains pleines de pouces! Maudit niaise! Ça se passera pas de même. Ça fait trop longtemps que ça dure. Bon jeu de crotte de nez! Tu vas y retourner à Porcherie! Vous êtes pas tanné de faire regarder de haut par ce gang de fils de riches, hein? T'as vu leur patinoire? C'est une vraie aréna. Grand fanal, innocent! Pas d'argent, c'est un bout du rang, puis on n'est pas éduqué. So what? C'est pas une raison pour se faire niaiser, ça. Vous êtes avec moi, les gars? Ouais! Maudit sans dessin. Quel temps de merde! Ah, c'est souvent comme ça à Sainte-Lucie. C'est un genre de microclimat. On finit par s'habituer à la longue. Edith, pour en revenir à la partie de hockey, si un jour vous perdez, qu'est-ce qui se passera? Ils vont faire la fête, puis ils vont tout casser. Parlant de fête, est-ce que vous allez venir demain? Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, là. On n'avait pas quelque chose demain, petit? Ah oui. Je sais pas si on va pouvoir, hein. On va essayer. Ah, c'est sûr. Mais on peut rien promettre, hein. Là, il y a quelque chose que je devrais savoir. Non, pas vraiment. Ah, ben juste que ce soir à minuit, c'est... Ben ouais, puis demain soir... J'aimerais ça qu'on soit là pour son party d'anniversaire. Quoi? C'est l'anniversaire d'Olivier, il me l'a pas dit? Ah, ça, on peut pas dire que ça en vante, hein? Edith, c'est la coutume du pays de faire la gueule aux anniversaires. Vous devez être gay les jours d'enterrement. Ah, tu comprendrais pas, là. C'est des choses de chez nous, ça. C'est pas important. Hein? Olivier, attends-moi. Oh.
Jake t'a joué toute une partie. Ah oui, on a donné une méchante dégelée aux armoires à glace. Hey, puis j'ai hâte à demain. Ben, pour ton party d'anniversaire. Ah oui, oui, oui. Tu m'invites toujours? Ah, bien certain, oui. Écoute, je vais me dépêcher de trouver une place avant le canapé. Pascal, viens t'asseoir ici, Pascal. C'est quoi, Pascal? C'est quoi, Pascal? J'ai jamais goûté à ça. Ah, ça va être bon. C'est vachement cool, ce repas. D'accord. Quelque chose qui veut pas? Pas du tout. Olivier, il faisait vraiment froid dehors. J'ai les mains gelées, tu me les réchauffes? Est-ce que vous savez ce qu'il y a? Monsieur Dubuc, vous savez... Mesdemoiselles, pour notre dernière soirée en terre du Québec, notre hôtesse nous offre un repas gastronomique de mets du terroir québécois. Rendons-lui hommage, elle qui nous a reçus avec tant de générosité et d'amabilité. En plus de s'être occupée de notre malade, car je vois qu'encore une fois, le professeur Dubuc n'est pas descendu venir avec nous. Il faut croire que l'atmosphère empoussiérée des livres d'histoire sied mieux au professeur Dubuc que l'air vivifiant du Québec. Je dirais même plus l'air frigorifiant du Québec. On peut en déduire que ses ancêtres n'ont jamais eu l'esprit d'aventure. Ce n'étaient pas des coureurs de bois. Allons, mes amis, levons nos verres à notre charmante hôtesse et j'ai nommé Madame Lafleur. À la bonne santé. Ça sent bon, ça sent bon. Ah, c'est super, ce souper, ouais. Elle goûte vraiment bon. Super, ouais. Ça sent bon. Santé, toi, j'ai pas dit santé. Bon, ils sont contente de rentrer chez toi, hein? As-tu un chum qui t'attend là-bas? Il doit avoir hâte de te revoir. Non. Moi, je resterai bien encore un peu. Ben, je te souhaite de passer une bonne dernière soirée. Mon père connaît quelqu'un qui travaille pour un éditeur de Paris. Ben, c'est-à-dire qu'un collègue de mon père connaît un mec qui bosse chez Stock. Chez Stock? Hey, c'est gros, ça. Ben, ça de ma part. Je viens juste de le finir. J'en ai déjà envoyé une version plus vieille à tous les gros éditeurs. Elle devait pas être prête et ils l'ont tous refusé. Mais celle-là est meilleure, ils vont l'aimer, ça, c'est certain. Laurent, achète pas Béatrice avec ça, là. Ses valises sont pleines. Non, non, ça va. Je peux faire de la place. C'est pas si volumineux. Mais je te promets rien. Mais laisse faire. Toi, Laurent, tu ramènes ça. Il est pas encore au point, ton roman. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Hey, c'est le roman que je viens de décrire. Non, ça. Ah, ça, c'est mon ordinateur de poche. Un Vision 4. J'écris tout avec ça, là. C'est le dernier modèle, là. Super puissant. Couleur, ton truc. Super. Alors, tu presses et ça apparaît? Tu peux me le passer, j'aimerais voir. Hey, tiens, c'est lui le personnage principal de mon roman. Philippe de Beauchesne.
accoutrements, monsieur. Voyez ça, monsieur, c'est incroyable. Elle vient. On a promis de garder le secret, tu devais tenir ta langue. Mais quoi? T'as pas savoir, j'ai rien dit. Mais t'as tout écrit. Tu vas nous faire passer pour des fous, Laurent. Puis tu sais ce qui se passe à minuit. C'est mon anniversaire. Le passage va peut-être se réouvrir une autre fois. Panique pas, là. Y'a pas de danger. La dernière fois, il s'est refermé pour toujours. Qu'est-ce que t'en sais? Non, j'ouvre pas le bar ce soir, j'ai trop de monde de l'autre côté. Fait comme si on n'était pas là, on s'est déjà servi. On connaît les airs de la place. Ouais. On vient juste se réchauffer un petit peu avant de retourner patrouiller. Ça fait 3-4 nuits qu'on nous signale un rôdeur dans le village. D'après les signalements, ce serait comme un genre de manière de type sorti d'un film d'épouvante. Monsieur Dubuc? Mais qu'est-ce que vous faites dehors par un temps pareil? Ben, j'ai cru qu'une bouffée d'air frais me ferait du bien. Mais je crois plutôt avoir aggravé mon état. Je remonte me coucher. Il y a une place à table réservée pour vous. Vous allez redescendre? Non, je n'ai pas d'appétit. Et puis, nous devons nous lever tôt demain. Je dois me remettre sur pied pour le voyage. Drôle de moineau, ce corbeau-là. Monsieur Dubuc, je vous apporte votre pas. Monsieur Dubuc, vous m'ouvrez? Je ne suis pas habillé. Alors, laissez-le. Laissez le plateau devant la... devant la plaque. La porte. Je le prendrai ici, la petite Mzia. Bon. Essayez quand même de manger un peu, hein. Prenez au moins les vitamines. D'accord. Vraiment, les Français sont pas faits pour notre climat.
dis donc, pourquoi tu m'as pas dit que c'est ton anniversaire demain? Attends, attends, on devrait pas aller de ce côté-là. Bah pourquoi? Je croyais que c'est ce qu'on voulait, nous, aller là où il n'y a personne. La maison abandonnée, la balle me semble tout indiquée. Allez, viens! Pas moyen d'entrer là-dedans. Pourquoi tu vas entrer là-dedans? Ben, on pourra pas y aller, alors tu sauras pas, mais ça t'aurait plu. C'est pas dangereux? Quoi? S'embrasser? Bah, avec un froid pareil, on risque pas qu'en se touchant, nos langues risquent l'ensemble. Ah non, 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 non. C'est seulement sur le métal gelé que ça arrive. Alors ça va, t'es pas du tout fait de métal, toi. Excuse-moi, Laurent, je voulais pas te faire peur tant que ça. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça recommence, Hélène. Il y a une trappe en dessous de là, grande ouverte. Il y a du bruit en dedans. T'es certain? Ah! Hélène! Qu'est-ce que tu fais ici avec Laurent? Puis toi? Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Rien. On se promenait. Ah oui? Mm-hmm. Mais justement, je vous cherchais. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce que vous alliez faire dehors. Dis donc, ça t'amuse, toi, de jouer aux gendarmes? Arrêtez, là, c'est pas le temps. Hein, il se passe quelque chose de vraiment grave, là. Ah bon? Parce qu'il se passe encore quelque chose. Ah, tu peux pas comprendre, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, en dessous, il y a une trappe grande ouverte. Puis Laurent dit qu'il y a du bruit dans la maison, oui. Ça va pas commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais pas, mais restons pas ici. T'as raison. Hey, qu'est-ce que tu fais là, attends? Béatrice, non! Hey, complètement fou! Pourquoi tu l'as mis ici aussi? Ah, puis c'est pas correct ce que tu fais, Hélène. Mais qu'est-ce que tu racontes? On faisait juste se promener. Oh, puis t'en as profité pour apprendre à te mettre du rouge à lèvres. Ouais. Je te connaissais pas ces tendances-là, mon frère. Une chance qu'on dort plus dans la même chambre, hein? Parle pour toi, Hélène. Mais de toute manière, je pense que t'as pas tout à fait compris la leçon. Non. Non, parce que vois-tu, là, t'es beurré. Mais partout d'en face. Ouais, partout, partout, partout. Ben oui, mais on peut quand même pas laisser Béatrice aller là-dedans toute seule. Faut la faire sortir. Elle va te mettre dans de beaux droits, ta française. C'est ça. Ben, je vais l'aider. Ben, écoute, à deux, ça va aller plus vite. Mais si dans 10 minutes, on n'est pas revenu, Hélène, va chercher du secours, OK? Si tu y vas, j'y vais moi aussi. Je veux savoir ce qu'ils font là-dedans, moi. Mais vite!
quelques cavins ici. C'est beaucoup détérioré depuis la dernière fois. Est allé par là? Hey, hey, faites pas de bruit. Regardez. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de choses ici. On dirait que ça continue de s'accumuler. Exagérez pas, ça a toujours été comme ça. Enfin, on s'en rappelle plus, c'est tout. Puis on n'a jamais visité toute la maison. Oh, regardez! Les traces vont par là. Béatrice? Bon, vous allez me le dire, votre secret. Quel secret? Il n'y a pas de secret. C'est dangereux de rester ici. Non, on voit rien, c'est pourri partout, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Vous venez tous à mon secours. Ben bravo, les héros. On veut surtout qu'il t'arrive rien. Qu'il te ferait rater ton avion demain. Olivier, demain, je m'en vais. On se reverra peut-être plus jamais. Faudrait pas qu'il y ait de secret entre nous. Dis-le-moi, qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Rien. Et c'est dangereux de rester ici, je te jure. Ben non, je trouve même que c'est rigolo ici. Il y a que de la poussière, ce n'est rien qui fasse peur. En France, j'ai visité des châteaux beaucoup plus... Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je m'en rends. Monsieur Dubuc? Qui? C'est Monsieur Dubuc, notre professeur d'histoire. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous êtes pas malade en train d'agoniser dans votre chambre? Je meurs de honte, mais non, je ne suis pas malade. Promettez de n'en rien dire et je vous explique tout. Voilà, Je suis... Ambroise Dubuc de Beauchesne, dit de Biédoux, dernier descendant de la noble lignée des Beauchesne, que les revers de fortune acculent à la plus grande nécessité et réduisent à faire emploi de professeur d'histoire, sous le nom écourté de Dubuc. Oui, inutile de joindre ma particule à cette déchéance. Que fais-je ici? Eh bien, j'ai cru y accomplir mon destin. Manifestement, je me trompais et je n'ai réussi qu'à me souiller de déshonneur en m'abaissant à la fonction de cambrioleur. En un mot,
Moi, Ambroise Dubuc de Beauchesne, je suis ruiné. Et pire encore, sous prétexte d'impôts impayés, le fisc menace de saisir mon modeste château de billets doux. Alors, pour tenter de sauver ce dernier bien ancestral de la mainmise républicaine, je suis prêt à tout. Même au mariage. Projet insensé, d'ailleurs, auquel je dus renoncer, car comment, de nos jours, trouver une femme bien née et fortunée? Sont tous comme ça, les professeurs d'histoire en France? Oh, lui, ça va. Ses coups de parler ne nous empêchent pas de dormir en classe. Bon, quel lien, donc, unit ces prémices et ma présence en ces lieux? J'y arrive. J'y cours. Un éditeur de ma connaissance me remit un jour le manuscrit d'un roman sur lequel il requérait mon avis. Bon, alors c'était une histoire abracadabrante de fantômes et de pirates, mais... Fait incroyable, deux de mes ancêtres y jouaient un rôle important. Alors d'où l'auteur tenait-il de telles informations? Mystère. Mais c'est mon roman. Il parle de mon roman, là. Et quoi qu'il en soit, ce que j'appris par ce texte éveilla en moi un fol espoir. Voyez-vous, il y a 3 siècles de cela, le chevalier de Beauchesne et son neveu sont partis chercher fortune en pillant les galions espagnols. Mais mon oncle était méfiant de nature. Il savait que les flibustiers n'accordent que peu de valeur aux pierres précieuses. Un seul or les intéresse. Donc, le chevalier de Beauchesne échangea ses doublons contre un énorme diamant qu'il risquait moins de se faire dérober. Il se méfiait aussi de son neveu et, à son insu, dissimula l'énorme diamant dans ses bagages. Si on abrège un peu, Monsieur Dubuc, en conclusion, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, bon, c'est ça, j'y arrive, là, j'y arrive. Alors, je vous fais grâce de l'habileté que je dus déployer afin de persuader la direction du lycée de jumeler ta classe avec ce village. Mais je vous dis séant que, par ce roman impubliable, j'appris que le neveu Philippe de Beauchesne mourut ici même, dans cette maison. Et moi, j'y suis venu à la recherche du trésor perdu. Un diamant? Moi, je trouve cette histoire-là très abracadabrante. Et pourtant, j'y ai cru. Dans sa lettre, le chevalier nommait son diamant le Mathusalem. Eh bien, Mathusalem, c'est le titre du roman. Alors, les concordances étaient si nombreuses, les faits historiques étaient tous vérifiables, j'y ai vraiment cru. Oui, mais pourquoi vous cachez? Pourquoi je vous rends malade? Un trésor perdu appartient au pays où il se trouve. Après 3 siècles, je n'ai plus aucun droit légal sur le Mathusalem. Il me fallait agir en hors-la-loi. Et vous l'avez trouvé? Hélas, non. Non. Excusez-moi. Le roman, là, Mathusalem, là, j'espère que vous l'avez recommandé à l'éditeur. Oh, pour que s'étalent au grand jour nos histoires de famille les moins glorieuses. Que non, 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 non. Non, il n'est pas très bon, ce roman. Je lui ai dit de le retourner à son auteur. C'était l'ancienne version, la nouvelle est bien meilleure. Oh oui, je te crois. Écoutez! Hey, là, faut partir vite, il y a quelque chose qui se prépare. Pas si vite. Le professeur a parlé, mais vous m'avez encore rien expliqué. Écoute, il faut partir, c'est dangereux, on rit plus, là. Mais pourquoi? Béatrice, sois raisonnable. Quelle chaleur, tout à coup. Ah, a-t-on idée de chauffer à fond une maison abandonnée? Non, il n'y a pas de chauffage ici. Ah bon? Pourquoi il fait si chaud, alors? Il faut partir, là, ça presse. Je ne bouge pas d'ici tant que vous m'aurez pas dit ce que vous me cachez. Bon, tête de pioche. Tu veux savoir? Ben, ouvre grand tes oreilles, parce que là, je répéterai pas. Laurent, tais-toi! Un puits sans fond dans la cave du bonhomme Walkers, puis pouf, vous disparaissez comme ça, là, en plein air. Les tropiques s'étaient passés. Puis Bernard Picard, il est où, là-dedans? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Laurent, tu nous prends vraiment pour des caves? Ben... C'est décourageant. À chaque fois, il nous raconte exactement les mêmes niaiseries. Il change pas un seul mot. Je t'en crois qu'à chaque année, ils se font un plaisir de venir nous niaiser avec leurs histoires. Bon, je continue, là. Pendant qu'on s'était volatilisé dans les limbes de la maison Walker, il se passait autre chose de pas mal grave à ce côté-ci. We'll be right back.
gars. C'est un maudit beau portrait, hein? Plein de belles affaires par ici. Bon, là, un beau petit village avec des maisons bien propres. Puis de ce bord-là, l'auberge La Fleur, qui est pleine de belles petites Françaises bien cute. C'est pas facile de décider ce qui serait le plus fun. Je commencerai le mien à soirée. Mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar démentiel? Ah, dites-moi que je rêve! C'est décourageant, on t'a encore tombé dedans! Mais ton quoi? Mais c'est quoi tout ça? On est où, là? Tu as voulu parler de notre secret? Ben là, ma fille, t'es en plein dedans! Quoi? Mais j'ai jamais demandé qu'on me foute à l'eau! Mais la prochaine fois, mets-toi dans des sous-regards! Ouais, c'est ça! Dis tout de suite que c'est de ma faute! Allez, ça suffit, ça suffit! Le moment est très mal choisi pour se comporter en gamin. Hein? Ce sont plutôt l'endroit où se sécher au soleil. Mais là, il faudra m'expliquer comment, en moins de deux, nous sommes passés d'un hiver infernal à un enfer tropical! Ouais, tuons-les. Faut point s'encombrer de prisonniers. Point les filles. Ouais. Gardons les filles. Tais-toi donc, fornicateur. Allez, ça dit qu'on doit libérer ces païens. Ah, merci, mon père. Voilà qui est raisonnable. Et leur couper le nez, la langue et les oreilles. Hein? À nos ennemis, ce bel exemple dira de quoi nous sommes capables. Moins hardis seront-ils à nous rattraper. Nous pouvons mieux par les pieds. Pendons-les aux arbres, oh avant de leur ouvrir le ventre, oh et de répandre leurs tripes en guirlandes sur les branches. Vamos a quitarle la piel de la cara. Y así, cuando los soldados los encuentren, creerán que son de los suyos y se asustarán más. Écorchez une tête en vos bien une autre. Vous êtes des barbares. Mais dites quelque chose, vous, on va pas les laisser nous mettre en morceaux comme des poulets. L'heure n'est point aux vaines paroles, mon fils. Confie ton âme à Dieu et meurs en paix. Tu fais une bonne action. Ton sacrifice sauvera peut-être nos vies. Après cela, ces chiens d'Espagnols auront besoin de cœur au ventre s'il a envie de venir nous renifler le cul. Les tiens toujours. La terre est entendue. Ouais! Donne l'ordre d'agir, El Diablo. Ah. Peace, bah. Ah, tu l'as vu si basse que tu ne peux point voir comment les soldats nous remercieront de leur enseigner de manière si plaisante de disposer des prisonniers qu'ils feront sur nous.
Beau jeune. Que des talents te faut-il déployer pour apparaître ainsi au moment le moins opportun. Il m'ennuie vraiment de te rôtir sur le champ à petit feu. Mais une affaire pressante m'en ôte le loisir. Pour le moment. mais vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Me crois-tu sot? Mais je vous jure qu'on ne se connaît pas. Dites-le lui. Allez, par terre. Par terre. Mais on est tombé chez des fous furieux. Pour qui me prend-il, ce rat de cale? Il vous prend pour votre ancêtre, Philippe de Beauchesne. Quoi? Mais comment peut-il me confondre avec une personne morte depuis 300 ans? À moins d'avoir reculé dans le temps, là, je ne vois vraiment pas comment. Non. Bah, faudra vous faire à l'idée. Voyez-y l'occasion d'étudier l'histoire sur le terrain. Voilà par ta faute un pied dans la tombe, Diablo. Ne prends point l'habitude de me marcher sur l'autre. Bismuff, ce dont la bouche me langue frétillante et me billarde. Suis mon conseil, garde tes lèvres bouches dessus. Tu épargneras ton vent et ton haleine et à moi la peine d'avoir à te l'écoute. On peut rien faire, c'est chacun pour soi. Olivier, on ne pourra pas aider qui que ce soit si on se laisse attraper. Viens! Où sont les autres? Tous morts. Il a fallu disputer nos prisonniers à une patrouille. Cette marmaille nous coûte cher. Cela porte un nouveau succès sur ton compte, El Diablo. Moitié moins nombreux, faudra abandonner la moitié du trésor. Il faudra tout abandonner. Sinon, tant de butin nous empêchera de bien nous défendre. Lorsque les soldats nous tomberont dessus. Ne
Connais-tu donc point les bonnes manières, Pisbeuf? En échange de nos bons soins et de notre gracieuse hospitalité, d'aimables gens se proposent de tout porter à notre place. Et tu les priverais du plaisir d'exprimer leur gratitude? Allez! Faites pas mal! Plus vite! Allez! Et toi? Quel est donc ce couvent qui, en plus du latin et des bonnes manières, enseigne aux dames bien-nées à si bien se battre? Jamais je n'ai ouï dire que les bonnes sœurs eussent coutume d'en savoir autant. Il me faudra te questionner à ce sujet. Comment fait-on pour se sortir d'une aventure pareille? Si cela vous est déjà arrivé, vous devez le savoir. Attends, il avait lu mon roman, oui ou non? Comment ton roman? Je veux dire, Mathusalem, c'était toi? Oui, monsieur. C'est moi qui écris des navets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se tient tranquille. Il n'y a rien à faire. D'un côté ou de l'autre, ils nous tirent dessus. Si j'avais su, je l'aurais pas fait, ce voyage. Je serais restée chez moi. Je te l'avais dit de pas entrer dans la maison Walkers. Ça t'apprendra à voler les chums des autres. Arrêtez de vous grimper le chignon, les filles, c'est pas le temps. Puis la nuit approche, hein? Dans la noirceur, on va pouvoir se sauver. Oh non, 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 c'est risqué, hein. Non, non, non. Nous attendons plutôt que les soldats attaquent et nous libèrent. Parce que s'ils poursuivent les pirates, c'est sûrement... C'est des flibustiers, pas des pirates. C'est pas la même chose. Ça va faire, Laurent. C'est pas le moment de faire ton savant. Non, non, non. Il a raison. Donc, je disais donc, s'ils poursuivent... Ils poursuivent sûrement les flibustiers afin de libérer cette noble femme. Elle m'a regardé son maintien, regardé ses vêtements, son allure. C'est une noble dame. Attendez, je vais lui parler. Allez, allez, avant. Signora. Ambroise de Beauchesne. Podría conversare con usted un momentico? Andrés, où vous a-t-on appris à parler un si mauvais espagnol? Vous m'écorchez les oreilles. À l'avenir, ayez la courtoisie de vous adresser à moi en français. Allez, passez le pas! Oui. Il n'y a point longtemps. Je te parie 5 pièces d'or que ci-devant, l'embuscade nous attend. Paris tenu. Allons voir si ton flair est bon. Monsieur. Hé, regarde, Pisbeuf. Une boîte à musique et une lanterne magique. Et puis, ça te servira à quoi contre les Espagnols? Va faire le guet devant. Ouais. T'as vu? Pour une fille de bonne famille, elle enseigne des choses.
Qu'est-ce que vous complotez encore, vous deux? À toi, ça va. Tu nous les casses avec ta jalousie. Béatrice a raison. C'est vraiment pas le moment. Ça, tu peux le dire, mon niaiseux de frère. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai rien fait. On faisait juste parler. Asquerosos. On ne traite pas ici une dame en la confondant avec un caniche. Ôtez-lui cette lettre indigne immédiatement. Défends-toi. Que passe? Devant, c'est l'embuscade. Et tout autour, le piège se referme sur nous. Ils sont nombreux. De l'est, du sud, de partout viennent d'autres soldats. Bon, allons plus avant dans la jungle. On finira par les égarer. C'est vers la mer qu'il faut aller. Ouais. Cette maudite forêt va nous perdre. Mets le cap sur les Espagnols si ça te chante. Je suis une satanée tempête à vouloir louvoyer entre leurs rangs. De ce côté, on pourra passer. En faisant vite. Je vais retourner là-bas, leur vanter les vertus de la prudence. Ton dévouement te fait honneur, père. Allez, va, dispense à nos ennemis. Ces paroles percutantes dont tu as le secret, hein? Compte sur moi. Attends-moi ici. Toi, viens! Elle était là! Non, tu vas m'aider. Elle était là! Viens, rapido.
Per dimmi, Orvo. E se Orvo es nada para ti, un portaggio la mia? No, 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 no. Llévala con los demás y espérame. Yo regreso a buscarlo. Sí. ¡Gracias! Trois soldats tués. Ça autre non plus de courage dans leur bagage. On va tous mourir. On s'en sortira jamais. Perds pas courage, c'est pas fini. On va s'en tirer, c'est sûr. La nuit va jouer pour nous. Ne t'en fais point. Demain sera un autre jour. Il m'a suivi. Il revient. Serve de leçon à ceux qui voudront déserter. Il faut retourner chercher la souris. Je suis point si pressé de mourir. À ce compte, je préfère encore suivre le diable. Un mort est un mort, vous savez. Peu lui chaud le lieu où il pourrit. La nuit va tomber. Restons pas ici. Allez, venez! Je suis contente qu'on fasse la paix, nous deux. Ouais. Enfin, ouais. Olivier puis moi, ça n'a jamais été trop fort. Je pense qu'il s'intéressait à moi juste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres filles de son âge à Sainte-Lucie. Mon frère sait jamais ce qu'il veut, de toute manière. Ouais, c'est pas comme toi. T'as l'air de savoir ce que tu veux. Mais t'es trop gênée pour le dire. Ben, vas-y, Hélène, demande-lui. Tu vas rire. De quoi tu parles? T'es ben niaiseux. Écoute-le pas, Hélène, il est jaloux. De qui? De personne, il dit n'importe quoi. Ce médaillon m'a trahi, mais s'il me vaut la vie sauve. Pour la rançon qu'on peut espérer de la femme d'un gouverneur.
Esperanza del Plata Yoro. Oui, les Plata Yoro, oui, je... Oui, bien sûr, je connais bien la réputation de cette famille de Castille, célèbre au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle? Mm-hmm. Mais nous ne sommes encore qu'à la fin du XVIIe. Ah oui, vraiment? Ah? Ah mais oui, bien sûr, évidemment, oui, je l'attends. Pardonnez-moi ce lapsus. C'est le soleil, c'est la fatigue, je sais pas, et puis... Et puis, on dit toujours de moi que je ne suis pas un homme de mon temps. Oh. Mais dites-moi, si plutôt qu'appartenir à une noble famille, je n'étais, disons, que une servante, ou même une voleuse s'enfuyant après avoir revêtu la robe et les bijoux d'une riche dame, se fait prendre par ces pirates et leur aurait menti sur son identité pour sauver sa vie. Auriez-vous envers moi toujours le même sentiment? Oh, parbleu, oui. Je ne vous en aimerais que plus encore. Oh, pardon, 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 pardonnez-moi. Oh, cet aveu vous aurait-il offensé? Mais non, mon ami, votre cœur a parlé. Je vois que vous êtes un gentilhomme. Choisissez la bonne maman pour se faire la grosse, ces deux-là. Hey, dis-moi ce que j'ai trouvé, vite! Hey! Dis-vous ça, vite! Mais qu'y a-t-il? Regardez. Après une razzia nocturne contre la ville de Portillo del Mar, El Diablo aurait été massacré en s'enfuyant dans la jungle. C'est pour nous remonter le moral que tu nous lis ça? Bravo, le psychologue. Ah, attends la suite, là. Peu de temps après sa disparition dans la jungle de Portillo del Mar, on signale de nouveau un El Diablo, cette fois-ci associé au fameux capitaine Picard. Est-ce un autre flibustier qui a repris le nom célèbre pour mieux terroriser ses proies? Ou est-ce le même homme, miraculeusement rescapé d'un combat sanglant et confus, qui s'est déroulé au petit matin dans le brouillard? El Diablo doit avoir des yeux de chat s'il a réussi à s'orienter à travers les rangs de soldats malgré le brouillard. Il s'est peut-être sauvé tout seul durant la nuit? Non, la noirceur dans le brouillard, c'est pareil, c'est impossible. Parce que je suis bête. Mais oui, des yeux de chat. Mais bien sûr, nous en avons. Ils sont dans mon équipement de cambrioleur, là-bas. Oh, vous êtes un voleur. Oh, oui, oui, noblesse oblige. La nécessité est dans la mère de tous les apprentissages. Compagnon, frère de la côte. Je vous trouve mauvaise mine ce soir. Aujourd'hui vivant, demain mort. Folle qui s'en soucie. Nous n'avons jamais vécu que pour le jour d'hui. Pourquoi craindre le jour qui vient? Où est votre fierté? Et votre courage? Nous sommes des gueux, mais nous avons vécu en seigneur plus souvent qu'à notre tour. Et les grands de ce monde tremblent à notre nom. Nous leur avons repris, tant que faire se peut, les richesses qu'ils volent aux pauvres. Ouais. Et nous les avons dilapidées en débauche, ripailles et souleries. Dites-vous, que nous valons mieux que tous les princes de ce monde. C'est vrai. Et demain, nous mourrons glorieux. Et nous leur ferons payer une dernière fois. Amen. Jamais ces grosses dindes d'archevêques n'ont si bien parlé que toi, El Diablo. Et moi, je dis, nous ne sommes point des pirates. Mais des flibustiers! Ouais. Et ne faisons qu'affectionner la liberté que la nature et Dieu nous a donnée et que les riches veulent nous ravir pour satisfaire leur décadence. Un jour viendra où les gueux comme nous seront les gardiens des droits et des libertés! Ouais. Ouais. Que la férole emporte les riches et tous leurs sournois serviteurs! Ouais. Que la
peste emporte les soldats, ces paillassons au cœur de chien. Ils osent nous traiter de haut, quand la seule différence entre eux et nous, c'est que eux volent le pauvre sous le couvert de la loi, et que nous, pillons le riche avec pour seule protection notre courage. Allez, mes frères, réjouissez-vous, car demain, il y en aura quelques-uns de moins à se traîner au cul des nantis dans l'espoir d'un casse-croûte. Pour la plus grande gloire de Dieu et de notre liberté. Campagna, vivons à la gloire de notre mort. Bravo, mon père. Mais il ne sera peut-être pas nécessaire de mourir. Par quel moyen? On a un plan. Il faudra faire tout ce qu'on vous dira, par exemple. Comme nous laisser récupérer ce qui est dans notre sac. Un plan pour combattre les Espagnols! Beaucoup mieux. Un plan qui les fera combattre de notre côté. Qu'avons-nous à perdre? Je suis avec vous. Aussi. Moi aussi. Bande de pleutres! Venez! Qu'est-ce que c'est? Oui. Dans ça, il y a des yeux de chat. Dis-donc, Nancy, t'as pas vu le père Lachaise? Il n'est pas devant. Il est resté derrière, il a pas un compte à régler.
Dieu ait pitié de son âme. Les chibrés, il est foutu. Aujourd'hui vivant, demain mort, folle qui s'en soucie. Ah non, mais c'est bon, c'est rien, hein. Y a à peine de quoi défrayer le voyage de retour. Alors, vous en êtes? Diablo. Nous lui devons plus que notre lot de malheur à celui-là. Allons donc lui faire le sien. ¿Qué quiere decir un disparo a nuestras espaldas? La batalla no tiene que comenzar por ahí. Nuestro valiente capitán, para proteger nuestra retaguardia, se ha pegado un tiro en el pie. Y ahora danza como en la corte. Shh, silencio, silencio, silencio. Avancen, avancen. Avancen, avancen. Avancen. ¡Cuidado! ¡Que nos han puesto una trampa! ¡Nosotros! ¡Paren el fuego! Ah!
Venez. Par là, on va pouvoir s'orienter. S'orienter, mais pour aller où? Ah, si l'un d'entre vous connaît l'emplacement de la machine à voyager dans le temps le plus proche, je crains que nous ne soyons définitivement prisonniers dans cette époque malsaine. Qu'est-ce que je disais? C'est sans limite. Mon ami, il suffira de marcher un peu pour atteindre la mer. Un peu? Une centaine de kilomètres, semble-t-il. Et pourquoi la mer, hein? Pourquoi aller se perdre au milieu d'un océan? Nous sommes déjà bien assez égarés. Regardez devant, il n'y a pas d'issue. Il y a des montagnes, et puis là-bas, il y a des forêts. Et puis encore des forêts. Et il y a... Oh là! Où vas-tu ainsi, Beauchêne? N'avons-nous point une affaire à régler? Profites-en. Je suis d'humeur avenante aujourd'hui. Déjà à Pissebeuf, j'ai fait plaisir. Car il voulait en partir, je l'ai laissé rejoindre ses compagnons. Dans la tombe. Qu'est-ce que vous nous voulez, là? Ces contrées sont dangereuses. Pour espérer y survivre, il vous faudrait un bon capitaine. Choisissez-moi et j'oublie nos querelles passées. L'équipage choisit son capitaine, mais l'équipage peut aussi le renvoyer. C'est notre loi. Quand le vote est pris, je me plie. Bon. Eh ben... Ouais. Bon. On vous choisit pour capitaine. Oh, bravo! Là-bas, il doit y avoir un village. Nous prendrons les vivres sur l'habitat. Hein? À condition de les payer, on ne vole rien aux pauvres. Oh, oh! On ne vole rien aux pauvres! Eh bien, qu'il en soit ainsi. Le père Lachaise serait fier de vous. Il n'a jamais réussi à convertir à ses principes aucun d'entre nous. Il n'est plus là. Voilà que c'est fait. Ah. Prenez ceci. Ah. Oh. Il n'est point assuré que les mêmes bonnes dispositions animent les gens que nous allons rencontrer. Hein? Tiens, toi. C'est comme ça qu'on a profité du brouillard pour échapper à toute une armée d'Espagnols. Puis qu'on s'est fait ami avec notre ennemi de toujours, El Diablo. Ben, faut dire qu'il n'y avait pas bien le choix. Hein? Si Flibustier s'était mutiné contre lui, pendant que le père Lachaise l'abandonnait pour aller venger la mort de la souris. Après 3 jours de marche, on est arrivé à la mer. On a acheté un bateau à des pêcheurs, puis on s'est sauvé loin des Espagnols qui nous suivaient toujours. C'est sûr que ça réglait pas le problème de comment revenir chez nous, c'était pas évident. On a bien réfléchi, puis on a décidé qu'il fallait retourner à la maison Walker à temps pour le prochain anniversaire d'Olivier. Ben, peut-être que le passage dans le temps allait s'ouvrir une autre fois, mais dans l'autre sens. L'ennui avec les anniversaires, là, c'est que ça n'arrive qu'une fois par an. Pour nous, là, ça voulait dire qu'on devait passer toute une année entouré de pirates, de boucaniers, de cannibales, et puis j'en passe. Mais donnez-moi une minute, là, le temps que je ramasse mes idées, ça fait beaucoup de choses à raconter. Non, laisse faire. Pas ça. Raconte rien. Saute à la conclusion. Oh, chef! Laissez-le au moins raconter l'abordage du galion plein d'or. Le saccage de Maracaibo, puis la bataille devant Gibraltar des Indes. Non, j'ai dit non. Même pas les orgies de l'île de la Tortue? Non, la conclusion, puis qu'on en finisse au plus sacré. Ben, je vous ai raconté que les 2 premières journées, puis vous voulez que je saute les 363 autres? Oui, c'est ça. T'as très bien compris. Ben, c'est comme vous voulez, mais vous manquez de meilleur. Sans le dire aux autres, j'ai fait à croire à El Diablo qu'il y avait beaucoup d'or à voler dans les parages de Sainte-Lucie. Et ça l'a décidé de nous amener jusqu'en Nouvelle-France. Ah! Où est-ce qu'on commence? Oui! Oui, ça a marché! Oui! Le chauffage! Il y a des voitures! Un chevaux! Olivier Saint-Pierre et son fatigant frère.
L'appetizer qui se présente avant le plat principal. C'est la cerise sur le sundae. Les gars! Ouais. On commence par péter la gueule de ceux-là en premier, correct? Terminons vite notre affaire en ce pays. Il n'est point fait pour nous. Ces bruits. Immenses mosquitos! Pardon. Capitaine, je crois que... Je crois qu'il y a des gens qui viennent de ce côté-là. Si leur chaud de se frotter à nous, la politesse exige que nous n'allions des sauvions point. Oui. Vous faites front. Yeah. Moi, j'attaque leurs arrières. Mi capitaine! Qu'avez-vous dit, ma douce? Je lui demande que fait-on maintenant. Ah. Alors que fait-on maintenant, capitaine? Ouais. On fonce dans le tas! Bien que quelqu'un nous dise où est cet or que nous sommes venus chercher. Aurais-tu menti, Laurent? Diantre, il n'y a point d'or. Je ne suis point homme à repartir la main vide. Toi, ton clan versera une rançon en échange de ta vie. Il n'y a personne de riche chez nous. Ce que j'ai... De la monnaie de papier. Ah.
Quelle époque déshonnête! Cette décadence ne me plaît point. Allez, toi, baille-moi des pièces sonnantes, sinon je t'arrache les yeux! On n'a rien! Notre faute, on vit au bout du rang. Y a rien des terres de roche là-bas, puis rien qui pousse. De l'autre, j'ai jamais vu à quoi ça ressemble. Toujours été pauvre. Fier de l'être. Est-ce que ce qu'on a, on l'a mérité? Tu serais donc le chef d'une révolte paysanne? En d'autres circonstances, cela vaudrait que je t'offrie de joindre mon équipage. Mais je me sens courroucé et de fort méchante humeur. Tu mourras donc. La tête coupée! Non! Quoi? Il faut que quelqu'un paie pour tout cela! Que le sang coule! Sinon, quel plaisir il y aurait dans la vie! Nous savons qu'autrefois, c'était un repère de brigands ici. S'y seront aménagés des cachets. Pour se cacher si jamais les choses tournaient mal pour eux. Oui. Ou pour y mettre leur but. Hé, hey, le matelas. Prenez garde, Ambroise, mon amour. C'est une cachette de brigands. Oh, ne craignez rien, Speranza. Ils sont morts depuis des siècles et ne me guettent sûrement pas dans la pénombre. Ah, il y a un problème, là. Virgen Santa, qu'est-ce qu'on a voulu si bien protéger? Vous êtes certaine qu'on doit passer par là, parce que... Il y a peut-être une autre entrée. Faites comme moi. Faisons tomber les lances et allons voir au bout du couloir. Que faites-vous là? Il faut longer les murs. Oui, certainement n'ayez crainte, ma douce. Ses lances ont des yeux pour le sentir venir. N'en dis point tant, Ambroise, et regarde plutôt où tu mets les pieds. De danger. Surtout, ne touchez à rien. C'est vide. Il reste plus qu'un vieux coffre là-bas. Évidemment, depuis le temps, ils auront eu le temps de venir chercher leur butin et le Mathusalem. De B, Philippe de Beauchesne. Ah, ah, la garde-robe de mon ancêtre. Oh là là, ça n'a plus aucune valeur. Et regardez, il y a autre chose. Tout ça pour des bouteilles. Vide en plus. Pourquoi il a regardé des bouteilles vides dans ses bagages? Parce qu'elles ne sont peut-être pas totalement vides. Thank you.
cette année, ils sont dépassés. J'ai jamais entendu une aussi bonne histoire. Il faut dire, à chaque fois, c'est meilleur. Belle histoire ou pas, ça se peut juste pas. C'est tout. Mais c'est facile, vous sortez pas du bureau avant d'avoir dit la vérité. J'ai dit toute la vérité. J'ai rien d'autre à dire. Chef, avoir tant d'imagination, ça mérite quasiment une récompense. Ben, regardez-le la face, là. Bronzé de même en plein hiver. Comment vous expliquez ça, chef? C'est pas moi qui explique. C'est lui. Ton diamant, le Mathusalem, où est-ce qu'il est? Puis ton français, le prof d'histoire, où est-ce qu'il se cache? Il est parti avec le diamant? Puis Bernard Picard, qu'est-ce que vous en avez fait? On aimerait ça lui parler, nous autres aussi. Puis toi, en attendant, j'aimerais bien ça savoir comment tu vas faire pour t'en sortir jusqu'ici! Sans aucun problème, puisque je suis là. Bernard Picard? Et j'exige que l'on libère mes amis et bienfaiteurs. En guise de caution et dédommagement. Voici qui devrait suffire. Remercie tes amis pour moi. Saint-Boudurand ne sera jamais plus pareil. Grâce à vous et à El Diablo, j'ai fait fortune. Ah, si vous saviez ce que je racontais, mais... Ce sera pour une autre fois. Thank you.